Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle exploration sur les toits émeraudes. Aujourd'hui, notre vlog, ça va être très simple. Comme tous les autres, je pars à la recherche d'un nouveau toit émeraude et en gros, il va falloir trouver un accès. Donc bien évidemment, ça tombe bien qu'il y a un miroir, vous pouvez voir mon nouveau jouet. Donc je vous présente tout simplement mon nouveau stabilisateur. Je mettrai un lien dans la description, donc n'hésitez pas à aller checker. Il est vraiment, en plus, il y a une réduction en ce moment, donc il va falloir en profiter. Allez, on continue. Peace. Première recherche pour le premier toit, c'est un échec total. Donc on va continuer de chercher un petit peu et normalement j'ai un autre toit qui devrait être dans ces alentours là. Il y a trois toits verts en tout dans le coin et il n'y a plus qu'à trouver un accès. Le premier, c'est une résidence privée, donc j'ai rencontré le gardien qui était très sympa. En fait, je lui ai demandé ce que c'était, donc ça va, c'est une résidence privée. Peut-être que je peux carrément voir ce que le gardien me fasse visiter, pourquoi pas, on va voir, mais bon, ce sera un peu moins drôle, n'est-ce pas? Allez, on continue cette petite recherche et je vais checker sur mon plan. Allez, des zoubis. Bon ben voilà, j'ai réussi à rentrer. Vous savez ce qu'il n'y a plus qu'à faire? Prendre l'ascenseur. Il est marrant mon nouveau jouet, j'adore. Oh la vache, t'es lourd quand même. Alright. Direction le 6e étage, on va voir ce que ça va donner. En espérant que ce petit toit vert soit bien sympathique. Allez, on continue. Bon bah voilà, on continue cette fameuse exploration des toits émeraudes. Là, comme vous pouvez voir, on a une petite échelle pas piquée des hannetons. Et j'ai qu'une seule main. Le stabilisateur, allez, on va utiliser les doigts sur celui-là, je triche un peu. Je crois que je l'ai trouvé. Ok, à une main c'est pas très pratique, mais bon, au moins vous êtes plus stabilisé. C'est bon, je l'ai trouvé là-bas. Parfait ça. Bien évidemment, il y a évidemment des explorations qui vont être beaucoup plus rapides que d'autres. Je rappelle que c'est une série qui va durer un an, il va y avoir énormément d'épisodes, donc forcément des plus longs, des plus courts. En l'occurrence, celui-là risque de pas forcément être très long, dans le sens où le toit justement n'est pas très très grand, l'accès a été assez vite trouvé, donc quand même ça va, c'est correct. Mais en tout cas, on va aller faire quelques photos. C'est parti, action! Mais d'abord, regardez un petit peu ça, c'est pas magnifique. Bâtiment officiel avec une un drapeau français, mais je crois que c'est les trucs du travail, donc je pense pas qu'ils bossent le dimanche. On va voir. En tout cas, je sais pas si vous pouvez voir là, mais en tout cas il y a un peu de hauteur, c'est pas si mal que ça. Pour les vlogs des toits émeraudes. Peace les amis. Et tout ça sur Patreon bien évidemment, en exclusivité.